Donc le mec, ça fait 2 ans, on est sur un putain de record pour faire une présentation de 6 minutes avec Diamo. Je suis pas payé pour faire ça, mais en tout cas, je pourrais faire des admin séries sur le serveur. Du coup, bah, je laisse Diamo présenter un petit peu le serveur dans la globalité. HeroCraft, c'est quoi? C'est un serveur PvP faction 1.8. Donc tu peux te connecter en 1.9, 1.10, mais il faut que tu te connectes en 1.8. Donc c'est un serveur qui accepte les cracks, mais attention, les joueurs premium, ils n'ont pas besoin de se connecter avec leur mot de passe. En gros, ils n'ont pas besoin de faire /mdp/register. Donc en gros, les serveurs, il est géré par Koz et Maxou, ça je pense que vous savez, un petit peu par moi, mais sans plus. Moi, je suis un peu invisible, on va dire. Donc maintenant, j'ai passer à la boutique, ok. Non, on va se voir dans les grades. Donc là, les grades, les gars, c'est toujours avec les gemmes. Donc c'est la monnaie, donc pour acheter cette monnaie là, tu vas sur le site directement. Donc là, on va passer à quoi? Au super pouvoir. Super pouvoir, c'est quoi? En gros, c'est du truc inédit du savoir. C'est ce qui fait un peu qu'on se démarque un peu. Donc en gros, c'est des petits super pouvoirs que tu peux avoir. Tu peux courir plus vite et tout. Bref, maintenant, on va passer au kit. Les kits, c'est un peu basique. Ouais, c'est les kits que tu peux acheter donc aussi sur le site. Donc avec la monnaie du serveur. Objet, c'est la même. Enfin, pour moi, c'est la même. En fait, c'est exactement tout pareil, les gars. Juste où on fait le stockage. C'est exactement le même principe que tout. C'est banque et tout. Spawner, bah c'est la même. Les gars, c'est exactement le même principe pour tout. Voilà, c'est tout. Aussi, les gars, donc on a un anti-cheat. L'anti-cheat, c'est quoi? C'est l'anti-cheat de Vape, les gars. Comme Max travaille chez Vape, il a réussi à l'avoir. On a aussi pour le truc de vérif, c'est Cheat Mesher. Donc c'est aussi l'anti-cheat de le Vape pour la vérif. Bref, on va passer au concret du serveur. Donc, les gars, là, on a fait des grosses updates. Tous les bugs, tous les petits bugs qui ont été réglés, tout ça. Donc, les gars, au niveau du PVP, ça n'a rien à voir avec la V1, on a complètement changé les KB et tout ça, ça n'a rien à voir. Bref, ça a strictement rien à voir, je vais pas m'attarder là-dessus, ça a juste rien à voir. Maintenant, on va s'attarder au niveau des coffres et tout ça, au niveau des gemmes, comment ça se passe et tout ça. Donc, mets une patate de danger, mets une grosse patate. C'est bon, là, il y a voilà, tous les là, items. Vous savez quoi. Voilà, donc tu peux avoir un... Donc là, on a commencé par le vote, ok. Comment ça se passe? Tu fais juste slash vote. Hop, ça te dirige sur. Tu mets cliquer sur le lien. Tu cliques sur le lien, ça te dirige sur le site. Tu mets toi-même, tu te registres sur le site. Hop, ça va directement te rediriger sur un truc pour voter. Donc tu vas voter et tout ça. Ça va te donner directement des points pour que tu achètes tes items. Donc j'ai cassé le panneau, mais c'est pas grave. Bref, on va passer au direct. On va passer directement au deuxième caisse. Donc là, c'est complètement différent. C'est les caisses mystères. En gros, comment tu fais pour avoir des caisses mystères? Tu mets une patate dedans, tu vois que t'as un compte premium à gagner. Tu fais /VIP. /VIP, tu cliques sur clé surprise. Donc là, tu vois une clé surprise à 1000 gemmes. Comment tu fais pour acheter une clé à 1000 gemmes? C'est simple. C'est sur le site et tu payes. Maintenant, on va passer aux autres trucs, les gars. Les gars, à chaque fin du mois, le premier du classement, il peut faire une vidéo avec Koz. Comment ça se passe pour être premier du classement? Tu fais /PTS. PTS, tu vois que tu peux acheter des points. Donc par exemple, un point c'est 100$, 10 points c'est 5000$, ainsi de suite. Comment tu fais pour avoir des dollars? Pour avoir des dollars, tu fais /RTP. C'est pas ça. Non, on a fait le random TP. Bah vous voyez là, c'est le random TP ça. Ça c'est le random TP, donc voilà, /RTP les gars. Bon, comment c'était quoi déjà la commande? C'est, je crois, c'est /AH. C'est ça, ouais, c'est /AH. C'est ça. Donc là, vous pouvez faire du commerce entre joueurs en fait, si vous voulez. Enfin, vous faites du commerce entre joueurs, vous pouvez acheter comme vendre. Slime, par exemple, GX met un truc à 1000€, à 1000$, j'achète, terminé. Il a les 1000$. Autre façon pour avoir des dollars, tu fais /VIP, tu vas dans dollars et tu peux en acheter. C'est 100 000$, 10 000, 5 000. Mais après, ça revient avec le site, quoi. C'est assez, Par contre, les dollars sont payants, là, en effet. Aussi, les gars, il y a les events, donc /event, GX, vas-y. /event. Là, tu vois que t'as les events tous les jours. Donc, chaque jour, voilà. Ils servent à quoi les events? Je t'explique en deux speak, gros. Avec les events, tu as des coins, des petites monnaies pour des petites monnaies. Donc, il est où, Carlos? Il est où? Je vais te montrer, il sert à quoi. Carlos, il est là, fils de chien. C'est enculé de Carlos, là. Les monnaies, ils servent à ça, Théma. Tu fais clic droit et tu vois que t'as des monnaies. Donc, les event coins. Les event coins, c'est que tu les gagnes en gagnant des events, tout simplement. Donc, tu peux acheter des offres de grip, ainsi de suite. Donc, là, j'ai passé directement à l'ouverture de savoir quand il va ouvrir. Il va ouvrir vendredi. Alors, je ne sais pas quelle heure. De toute façon, GX va vous mettre un petit truc à côté. Ouais, t'inquiète. Ouais, aussi, les gars, bon, bref, il y a des KOTH, il y a des warps. Donc, les warp nether, les warp end. Donc, ça, c'est complètement edit. Donc, c'est edit. Bref, on va pas vous faire montrer parce que c'est tout à fait. Enfin, bref, voilà, c'est edit. Bon, bref, les gars, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, n'hésitez pas à venir les gars parce que je compte faire des admin séries en contrepartie. Venez les gars vendredi, du coup je vous laisse. Bonne journée. Venez jouer les gars, putain. Ouais, là, c'est bon, ça me casse les couilles mec, ça va faire 8 ans on est en train de la refaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas abonné parce que je compte faire du Minecraft beaucoup puis voilà. Et venez sur le serveur aussi. Et puis je ferai des admin séries puis c'est bon, ça me casse les couilles.